Bonjour et bienvenue à Electron Libre, votre émission où on parle de n'importe quoi avec des gens que j'adore, mais qui sont un peu n'importe qui. J'ai nommé Mélanie Saint-Germain et Francis Côté, mes célèbres collaborateurs, moi-même Pierre Turcotte. On va vous parler de plein de choses aujourd'hui. On va vous parler entre autres de performance, on va vous parler de Donald Trump et ainsi que de politesse et savoir-vivre, ce que M. Trump ne connaît peut-être pas. Mais avant ça, on va poser notre question du jour qui est, avez-vous une anecdote mémorable qui vous est arrivée aux douanes? Hein, Mélanie, toi? Bien, mémorable, je ne sais pas, mais je sais que pour mes enfants, ça a été mémorable. On arrivait, on partait de Cuba pour le Québec. Puis j'ai des tatouages. Et je me suis fait solidement crier après en me faisant dire « Don't move! Don't move! Don't move! » Et mes enfants étaient comme ça devant moi. Et j'ai arrêté de bouger. Et on m'a pris, on m'a accoté et on m'a fouillé. Et on criait après moi. Ouais. Et j'étais un petit peu traumatisée. Et finalement, on m'a dit « OK, OK. » Puis va-t'en, continue. Tout est venu super fine. Fait que c'est mon expérience un peu traumatisante, surtout pour mes enfants, qui avaient un petit peu peur de... Fait que je me suis brassée. Ouais. Puis t'as des tatous. Francis? Ouais, j'ai eu besoin de prendre l'air, là, peut-être 5 ans. J'étais allé faire un tour à Atlantic City seul, en voiture. Et ça, c'est 1700 km aller et 1700 revenir. Fait que je suis parti une journée, je me suis rendu et je suis revenu le lendemain. Sauf quand j'ai voulu entrer aux États-Unis, elle m'a demandé « Où allez-vous? » Je lui ai dit où j'allais, elle ne me croyait pas. Donc, elle m'a fait sortir du véhicule, ils ont vidé le véhicule, ils ont fouillé. Et je leur disais, oui, j'y vais et je reviens. Le lendemain, j'étais revenu 3400 km plus loin. J'avais le goût de me promener, mais ils ne me croyaient pas. Ben, moi, une petite anecdote drôle. On était parti à Chicago voir un bon ami qui étudiait là-bas et j'étais avec deux de mes amis. Et on avait demandé à mon ami, qu'est-ce que tu veux qu'on te rapporte? Il nous avait dit, amenez-moi une poutine Ashton. Et là, on est allé chez Ashton, on a demandé une poutine décomposée, là, la sauce à part, etc. On a acheté ça, puis on a mis ça dans le coffre. Puis on oublie ça, tu sais. Et on arrive aux douanes, et ils nous disent, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Puis on fait, non, pas de nourriture. Et au moment où ils disent ça, nos regards se croisent et on part à rire. Puis finalement, il ne s'est rien passé, ils ne nous ont pas fouillé. Et le soir, on a mangé une bonne poutine Ashton à Chicago. Oh. Ah, ouais, vous pouviez apporter ben, oui, ça a l'air une poutine que... Ashton. Maintenant, on va se lancer dans le vif du sujet parce que Mélanie va nous parler de performance. Mélanie, qui est une fille performante, on le sait. Ben, je sais pas. Écoute, je sais pas pourquoi je sais pas comment je vais faire pour parler de ça en 5 minutes, mais je vais essayer quand même de faire un historique assez large de tout ça. Je suis pas je considère pas que je suis encore une grande connaisseuse. Je commence à rentrer dans la performance et j'adore ça. C'est quoi la performance? La performance, OK? On parle de performance artistique. Je vais chercher une petite définition. L'art performance ou performance artistique, c'est un médium, une tradition artistique interdisciplinaire. Ça, c'est très important, l'interdisciplinarité, qui trouve son origine dans les pratiques artistiques d'avant-garde, okay? Dans la, on dirait, 1960-1970. Dans les années 60, tu as un mouvement marquant de la performance qui est arrivé, qui est Fluxus, le mouvement Fluxus. Aussi, dans les années 60, il y avait les mouvements féministes qui commençaient, qui ont joué un rôle majeur dans l'art de la performance. C'était une culture pour... les féministes s'en servaient pour démontrer la culture propre aux femmes, la réévaluation de leur rapport à l'histoire de l'art. Hein. On sait que, bon, la part à l'histoire de l'art, les femmes, puis tout ça. Dénoncer beaucoup aussi. Et la remise en cause des canons traditionnels, la femme dans l'art, est-ce que c'est juste comme le canon ou est-ce que la femme peut être artiste? Tout ça. Donc... En gros, on remet en question la notion sacrée de l'œuvre d'art. Et comment on fait ça? Comment on fait ça? Dans le fond, je vous ai déjà parlé de Marcel Duchamp. Oui. Vous vous rappelez? Ça m'avait choqué quelques-uns. Dont Francis. Arrête, je ne suis pas décoléré. On veut sortir l'œuvre du cadre élitique. Okay? On veut démocratiser l'art. OK? C'est très inspiré, Fluxus, c'est très inspiré du mouvement Dada. OK? On connaît tous un peu le mouvement Dada, on ne rentrera pas là-dedans, ça finit plus. Mais le Dada, dans le fond, on veut détruire le langage et la culture. C'est vraiment un cri primal. Bon, Marcel Duchamp vient du Dada. Là, avec le mouvement Fluxus, on remplace l'œuvre d'art par l'action. OK? Donc, on remplace l'exposition par une exposition plus commune dans un musée et tout ça, par... Une performance vivante. Une participation avec le public aussi. Okay. Et là, le corps devient objet. Le corps est aussi la dénonciation du « est-ce qu'on est obligé d'utiliser la peinture, le médium? » Non, le corps en soi peut devenir un objet d'art. Le corps peut être utilisé comme objet d'art. C'est beaucoup plus fort pour certains parce que le corps peut vraiment rentrer en contact avec le public.
Donc, Fluxus, c'est vraiment un état d'esprit à ce moment-là. L'art est pour tout le monde. L'art, c'est pas juste pour les critiques d'art. L'art, c'est pas juste pour ceux qui ont des grands noms, qui vont dans des musées. Non, l'art, ça peut être partout, dans les rues, dans une maison. L'art, c'est la vie. Ça, c'était Fluxus, là. L'art, c'est vraiment la vie. Donc, c'est vraiment un anti-art qui a brisé le culte de l'artiste génie. Tu sais, ah, lui, hein? Ouais. Et dans les musées, il y a tellement... Non, c'est ça qu'on veut briser. Fait que, pour faire un petit... on ressent que la performance sur la notion vraiment de l'effectivité dans une action qui est en train de se produire. Okay. L'action se produit, on produit quelque chose, c'est instantané et c'est éphémère. Et c'est produit dans le réel. Donc, on le voit, il faut être là pour le voir, sinon ça n'existe plus. Exactement. Si tu n'es pas là, si tu ne passes pas à ce moment-là, ça n'existe pas. Okay. Donc, c'est vraiment éphémère. Aussi, l'art performance va désigner une pratique d'un artiste qui va se concentrer vraiment radicalement sur une action. C'est vraiment un corps en action ou pas, mais c'est automatiquement, même s'il ne bouge pas, il y a une action qui se fait. Et on ne suit pas nécessairement les conventions de représentation. Tu n'es pas obligé, comme je disais, d'être dans un musée ou dans un centre d'artiste, ça peut être n'importe où. Moi, j'en ai fait une performance. J'ai commencé à jouer là-dedans. J'aimais beaucoup l'effet dénonciateur avec le corps versus le public. Ouais. J'en ai fait une performance au Courant des Bois, okay. dans le cadre d'un cours à l'UQAC, justement, où j'ai commencé à rentrer là-dedans. On voit des images, d'ailleurs, à l'instant. Oui, on voit des images, justement, à l'écran. Donc, pour moi, ça a été un gros pas dans cet univers-là, parce que c'est un univers, la performance. C'est dur d'en parler à 5 minutes. Fouillé, c'est beau. Oui, puis ça existe partout à travers le monde. Puis c'est des petits milieux qui... Oui, qui se passe les artistes. Et c'est très, très fort. C'est vraiment comme je disais, le corps va devenir le médium de l'œuvre. C'est pas cher. Ça coûte rien faire ça. C'est très dénonciateur. C'est vraiment un art éphémère qui va laisser peu de choses derrière lui. Le corps va devenir l'objet d'action. On peut vraiment enlever l'idée de matérialité. Vraiment se servir du corps pour dénoncer. Et souvent, il faut être là. Et est-ce qu'on parlait tantôt, est-ce qu'on demande la démarche à l'artiste avant souvent la performance? Non. Tu arrives, il y a une performance, et là, ça se produit, et après ça, ça disparaît, et là, tu vis avec ça. Et après, est-ce qu'on peut en parler de l'artiste après pour ça, voir? Après ça, il y a des artistes oui, il y a des artistes non, ça dépend de l'artiste. Toi, quand tu as fait ta performance, on a vu des photos, là, c'était quoi ton chemin pour te rendre là? Bien, moi, j'avais envie d'utiliser le corps, justement, pour dénoncer la femme dans cette pression sociale-là qu'elle a de performer, justement. Donc, j'ai décidé d'utiliser la performance pour démontrer que j'avais ce besoin de performer. Donc, j'ai le besoin de bien paraître, le besoin de bien paraître en public. Cette pression sociale-là, surtout envers la femme, que moi, j'avais besoin de dire. Puis, il y a d'ailleurs un documentaire que je pourrais aussi, Jacob Lévesque, documenter ma performance. Ça m'a fait un documentaire. Donc, voilà, la performance, c'est efficace. Le regard des gens, il y a un corps qui arrive et qui se produit quelque chose dans un lieu public. Pas censé être, ça brasse les gens. C'est très, oui, très efficace. Mais c'est vrai, très efficace. Mais encore là... Il y a des gens qui sortent fâchés, déçus, qui ont de l'incompréhension, mais... Et souvent, la performance, c'est très rapide. Mm. Ça se passe, ça se produit. Ça, c'est puissant. Moi, c'est un médium que j'aime beaucoup. Bien, merci beaucoup, Mélanie, de nous avoir parlé, d'avoir dévoilé tes performances à l'écran. Moi, j'avais le goût de vous parler de politesse et de savoir-vivre. Je trouve qu'aujourd'hui, pas qu'on manque de politesse, mais des fois, on ne sait plus. Tu sais, on va manger quelque part. Qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct? Fait que j'ai trouvé un petit guide de politesse et de savoir-vivre. Et ça me fait rire parce que souvent, on fait « ben oui, tu sais, c'est logique » ou « ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens ». Par exemple, quand on mange, tu sais, y a une manière. Tu sais, comme par exemple, le couteau. Oui. Le couteau ne doit jamais être approché proche de la bouche. Hein? Il ne faut jamais essuyer son couteau. Non plus. Ça va que c'est impoli. Dans la cuillère, hein, on ne fait pas de... Donc, on ne remplit pas la cuillère trop. Mais ce qui est drôle, c'est que nous, chez les Turcottes, quand toutes les oncles, les tantes, les grands-parents mangent ensemble, c'est un concert. De... Ah oui, il y en a comme ça. Fourchette à gauche. Hein, et il faut appuyer la fourchette sur les dents. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Okay. C'est quand tu la mets sur la table, tu l'appuies sur les dents, tu la mets pas sur le dos, tu la mets sur les dents quand tu la mets sur la table. Voilà. Quand on remplit des verres, jamais à rabord. Faut jamais tout le temps boire des petites gorgées. Tu sais, quelqu'un qui cale son verre, là, c'est impoli. Et c'est ça. Bon. Il y a aussi la politesse sur l'écoute. Quand, mettons, les gens nous parlent, comment écouter les gens? Hein? Donc, garder une attitude vigilante, c'est important. Ne pas détourner les yeux, même si c'est ennuyeux.
Non, mais c'est vrai, mais c'est dur, hein? Ben oui. Pas consulter sa montre, pas bailler, pas interrompre une histoire, pas intervenir même si on connaît l'histoire, tu sais. Tu sais, il y a des gens comme ça là, qui ont une... Tu fais « Hey, tu devineras jamais ce qui m'est arrivé! » Et là, il commence et ça dure 16 minutes pour finalement tu fasses « Ouais, il n'était pas arrivé grand-chose. » C'est ça. C'est très long, ça. On ne pourra rien, hein? Ouais, c'est clair. Au téléphone, comment être poli au téléphone? Premièrement, quand on appelle, hein, on regarde l'heure qu'il est pour ne pas appeler à des heures pas possibles ou trop tôt le matin. Toujours avoir un crayon et un papier. Pas dire « Attends, on va avoir des choses pour noter. » Se préparer à l'avance. Hein? Ça me fait rire. Composer le numéro avec exactitude pour ne pas déranger en cas d'erreur des personnes inconnues. Quand on était petit, c'était le fun de faire ça. Ma soeur avec l'afficheur, on ne peut plus tellement faire ça. Hein? Ça, c'est tout. C'est ça qui a disparu, c'est le coup de téléphone. Ben oui, malheureusement. Ouais. Il y a encore des humoristes radiophoniques qui font ça. Hein? Présenter des vœux. Non, mais tu sais, on présente des vœux. Donc, les vœux, ça doit être présenté de vive voix, par téléphone, par correspondance ou par télégramme. C'est important. Ben oui. Quand on reçoit une lettre, hein, il faut répondre tout de suite. OK, immédiatement. Oui, immédiatement. Si vous donnez une carte, OK, où il y a déjà inscrit des formules là, avec des blagues ou des choses comme ça, il vaut mieux ajouter quelques mots qui donnent au message un cachet personnel. Ben oui. Et ça doit être la personne la plus jeune qui doit présenter ses vœux en premier. Hein? Quand on remet les cadeaux, tu sais, on donnait... on fait souvent ça, là. On donne les cadeaux. Quand on veut... OK, pour les faire part. Tu sais, Francis, tu vas te marier bientôt. Ben oui. Donc, c'est peut-être important. Un faire-part doit être imprimé et soigneusement rédigé. Attention, pas de faute. Faire-part de naissance doit être idéalement accompagné d'un dessin symbolique ou d'une photo du nouveau-né. Sinon, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé. Ben, c'est quel enfant. Les faire-part de mariage doivent être toujours blancs. Oui. Hein, comment? Les faire-part de deuil, idéalement noir ou gris. Gris est accepté. C'est des conventions. Oui, aussi. Et quand tu reçois un faire-part, tu as 8 jours idéalement pour répondre, sinon tu deviens impoli. Bon, à savoir, je vais noter mes impolitesses. La blacklist, dans le fond de la salle. Correct. Le remerciement, quand on dit merci. Non, mais c'est important de savoir dire merci. Mais c'est vrai. Oui. Le merci doit être dit vite, franc, sans murmure confus, sans embarras. C'est important. Hein? On dit merci pour traduire la surprise, la joie ou la reconnaissance. Dire merci même au moment de dire non, afin que le refus soit moins farouche. Okay. Non, merci. Non, merci. Ben oui. Dire toujours merci aux enfants pour leur faire découvrir le mot, sa musique, sa force. Hein, c'est j'aime important. Ça. Ben oui, merci. rendre une visite, quand on rend visite à quelqu'un, tu sais, bon, on rend visite pour faire connaissance, pour remercier, pour présenter des vœux, des condoléances, des félicitations, pour rencontrer un nouveau voisin, un ami, etc. Même si c'est des gens qu'on connaît, on est peut-être mieux de s'annoncer à l'avance. Bon, des fois, c'est compliqué. Tu as un nouveau voisin, tu n'as pas son numéro de téléphone pour l'appeler, pour dire « Hey, j'irai te rendre visite, tu vas le voir, etc. » Mais d'essayer de voir, bon. Si vous allez voir quelqu'un qui est malade, hein, visite doit être brève. Évitez les éclats de voix et surtout choisir un cadeau adéquat. Ben oui, c'est ça. C'est important. Oui. C'est ça. Et choisir le moment convenant pour ne pas incommoder les gens, dont les personnes malades. Non, mais c'est vrai. C'est comme des cadeaux inadéquats. Ben ouais. Oui. Vivre en public. Hein, parce qu'on a. Bon, il ne faut pas mâchonner de chewing-gum sans relâche. Non. Bon. Jamais. Il ne faut pas procéder à des soins de toilette pendant qu'on rencontre des. Donc, on ne se coupe pas les ongles, on ne se lime pas, on ne se coiffe pas longuement, on ne s'occupe pas de son nez ou de ses oreilles devant les autres. On fait ça en privé. Idéalement, on essaie de ne pas bailler ou de ne pas s'étirer devant les autres. C'est pas poli. On ne commande pas à haute voix une pièce de théâtre, un film ou un spectacle. Ah, ça, non. Non. Ah, ça, hein? Non. Non, ça, on est d'accord. Ah, on est d'accord. On ne doit jamais déplier des papiers de bonbons bruyants. Mais si on a des papiers de bonbons non bruyants, il n'y a aucun problème. Est-ce que c'est impoli de rire pendant une chronique? Non, j'ai pas de problème avec ça. Et c'est important de ne pas rire à contre-temps. À contre-temps? Oui, ça veut dire qu'il faut rire en même temps que les autres. Sinon, là, tu quand ris pas. Quand c'est plus drôle, quand tu ris pas. Ris pas. OK. OK, fait que je suis même. Et il m'en reste quelques-unes avec la nature. Hein? On ne doit pas jeter des morceaux de verre ou des ordures. Non, mais là, c'est un classique. Ne pas casser les branchages ou abattre des arbres.
sauf si on se fait du bois de poêle. Ouais. On ne doit pas tirer sur les oiseaux. Ben oui, hein, à moins d'être un chasseur d'oies. Ne pas allumer de feu dans une forêt. Ben ça c'est, oui. Et ne pas polluer les eaux en déversant de l'huile ou d'autres liquides non chouettes. La politesse en automobile. Oh! Oui. Ça, ben, ça écoute. J'allais t'en dire un instinct, mais vas-y. Ah oui. Vas-y, dis-moi ton instinct. Ben, ne pas péter en voiture quand les fenêtres sont fermées. Ah oui. C'est joli, là. Mais moi, mon premier est encore mieux. Ben oui. Et est encore meilleur. C'est qu'avant de démarrer, s'assurer que les portes de l'auto sont fermées. C'est vrai. Non, mais on y pense pas. On y pense fois, pas, là, t'sais. Mais tu sais. Appliquer les règles du code de la route. Ben oui. Avoir la maîtrise de son véhicule, donc le contrôle ainsi que la vitesse, on contrôle ça. On laisse aux piétons le temps de traverser, on donne l'espace aux cyclistes. Ne pas rouler à toute vitesse dans une flaque d'eau pour ne pas arroser les piétons. Ça, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, ça, je ferai un petit coup de gueule là-dessus. Mm-hmm. Moi, je trouve que il y a beaucoup d'automobilistes qui ne font pas attention aux cyclistes. C'est vrai. Et il y a énormément de cyclistes qui ne font pas le stop et après ça, ils ont... Oui, ça, ils doivent aussi répondre au code de la route. Donc, ça va dans les deux sens. Oui. Voilà. Et je pourrais vous montrer un endroit, on pourrait en filmer à des millions. Le partage, la route. Finalement, vivre à l'heure, l'important, c'est d'être à l'heure. Ni avant l'heure, ni après l'heure. Parce qu'un retard peut causer de l'anxiété. Et en cas de retard imprévu, bien, on va essayer d'avertir les gens. Par télégramme. C'est vrai. Par télégramme, idéalement, si on peut. Ça met fin à ma chronique Politesse et savoir-vivre. Non, mais on reprend ses idées, mais je suis sûr que vous allez rentrer chez vous ce soir et que vous allez être plus poli et vous allez avoir plus de savoir-vivre, déjà que vous n'en avez pas beaucoup. Voilà, mais j'ajouterais quand même, en 2016, l'utilisation des appareils électroniques durant une conversation. Oui. Moi, j'aime les endroits où on a un rassemblement et qu'on laisse... dans le panier, donc c'est pas le temps. Pendant que tu jases, moi, quelqu'un qui fait « ouais, ouais, ouais ». Pas check capable. Ses affaires, je ne suis pas capable. Hey, on passe un message. S'il vous plaît, là, respect. Et si vous êtes en train de nous écouter et que vous êtes en train de jouer sur votre téléphone en même temps, on le sait. On vous guette. Parlant de bonne manière, on va parler de Donald Trump. Ben oui. Francis, une petite chronique politique, c'est intéressant. Non, ben regarde, je veux dire, tout le monde a une opinion sur le sujet, sur le bonhomme, sur ses réalisations, bonnes ou mauvaises. J'ai décidé d'aller chercher en profondeur le personnage, c'est-à-dire... se faire une tête sur le gars, mais pas sur ses prises de position, car elles ont été analysées en long et en large dans les derniers mois. J'irai sur l'homme, sur l'humain. Donc, l'homme. Il est né le 14 juin 1946 à New York. Il est un homme d'affaires américain, magnat milliardaire de l'immobilier. Il est également animateur de télévision et homme politique. Il est le fils de Fred Trump, 1905-1999, un promoteur immobilier de New York, cofondateur de la compagnie Elizabeth Trump & Son. Donc, son père était riche, donc il a fait prospérer la fortune familiale. Il est célèbre pour avoir bâti son empire et sa notoriété sur des bâtiments prestigieux qui portent généralement son nom. Exemple, Trump Tower. Trump Tower. Qui est vraiment un bel édifice. Hein. Oui, quand même, des beaux gratte-ciels qu'on a. Et Atlantic City, le Trump Taj Mahal qu'il s'est fait bâtir. Alors qu'il a 25 ans, il participe à un projet immobilier initié par son père. En 2 ans et moyennant un investissement de 500 000 $ le taux d'occupation du complexe de 1 200 appartements. Acquis par l'entreprise, passe de 34 % à 100 % en 1972, le complexe est vendu. Il fait beaucoup de sous. Pour aller plus loin dans ma recherche, donc, j'ai réalisé moi-même une entrevue avec M. Trump. Donc, on en a un extrait. On a un problème technique. Malheureusement, on ne peut pas vous passer l'extrait. Donc, je vais simplement aller avec... bon, en 1996... il fait une incursion dans Miss Univers. Il s'est acheté le concours Miss Univers. Sur les ondes NBC. Et afin de renforcer l'attractivité du Trump Plaza d'Atlantic City, il reçoit en 88 et 89 les 4e et 5e WrestleMania. Pour ceux qui veulent savoir c'est quoi WrestleMania, c'était... la finale de la Coupe Stanley de la lutte. On se rappelle que le 4e WrestleMania, celui de Donald Trump, on avait une bataille royale à 20. On avait le Ultimate Warrior qui avait battu Hercule Hernandez. Comment? Le Ultimate Warrior, tu t'en rappelles? Ben oui, je l'ai écouté sur vidéocassette. Voilà, il avait effectué un tombé sur Hernandez et en contrant un full Nelson en roll-up. Finalement, Brutus Beefcake... était champion intercontinental. Oui, à l'époque.
avait battu Honky Tonk Man, qui arrivait avec une guitare. Voilà. Et le Islanders, Aku et Tamu, Bobby Heenan battent British Bulldog. Tout le monde se rappelle des British Bulldog. Et finalement, Dynamite Kid qui était dans le combat. C'est pas lui qui avait Hulk Hogan contre le géant ferré? Ben oui. Non, attends là. Non, je m'excuse. Okay, je m'excuse. Je veux pas devancer. Il y avait Demolition, qui étaient les deux gars hyper musclés, qui avaient battu, tu t'en rappelles? Mais il avait battu un de nos Québécois, un qu'on aimait, qui était Rick Martel et Tito Santana. Ben oui, les gars avec des oreilles, là. Tito Santana, il avait vraiment les oreilles décollées. Ça, je m'en rappelais pas. Mais regarde, le plus important, c'est qu'à la fin, Randy Savage, avec Miss Elizabeth, qui était son acolyte, et Hulk Hogan, ensemble, avaient battu Ted DiBiase, qui était avec André le Géant. Et c'était la finale classique et avait été pendant 9 minutes 27 un combat effréné. Et il y avait eu de nombreuses interventions d'André le Géant. Ça avait fini dans une bagarre générale. C'était un classique. J'aime, j'adore sa chronique sur Donald Trump. Ouais, voilà. Non, c'est parce que quand ils ont commencé à parler de lutte, je me suis emporté. J'ai dit, j'ai pas le choix, faut que j'en parle. Écoute, je tripais trop. Je continue donc, afin de renforcer son empire immobilier, il avait reçu ça. Il a participé à des films comme Maman, j'ai encore raté l'avion. C'est vrai? Ben oui. Les Schnappants. OK. Fresh Prince of Bel-Air, il avait participé à ça. Nounou d'enfer, Sex and the City, il avait apparu. Oh, ouais. Et finalement, des éphémérides importantes. Le groupe The Time Short, en 1990, a fait une chanson intitulée Donald Trump Black Version, écrite par Prince. Oh, en 2000, il y a un épisode des Simpsons qui prédisait son élection comme président des États-Unis. Lors des primaires républicaines, Ilma Gore explose dans une prestigieuse galerie londonienne un portrait... Elle explose dans une galerie d'art. On parlait d'art tout à l'heure. Elle s'est explosée. Qui représentait un baiser entre Trump et Vladimir Poutine sur le célèbre baiser entre Leonid et Honecker. L'œuvre bénéficie d'une large communication virale et finalement, il possède son étoile sur le Hollywood Walk of Fame pour son émission The Apprentice, qui était finalement du mauvais coaching capitaliste. Et donc, en conclusion, vous pouvez ne pas aimer Donald Trump. Mais vous pouvez aimer WrestleMania 4. Surtout le Ultimate Warrior, qui restera à ce jour le meilleur lutteur qu'il y a eu dans la WWF. Si vous avez des lettres d'insultes à m'envoyer, envoyez-les à la station. Génial! Maintenant, au début, on a parlé de Douane. Je reviens là-dessus parce que j'avais une idée dans la tête. Je veux, dans mon top 10, je vous parle de top 10 d'objets confisqués aux douanes. Premièrement, on a confisqué un rouge à lèvres. Oh. Oui. Ah. Parce qu'on a réalisé qu'il était gros, pesant, etc. Et que finalement, c'était un rouge à lèvres qui servait aussi de taser. Donc, le rouge à lèvres pouvait donner une décharge de 350 000 volts. OK. 300 simplement. Oui. Il ne faut pas se tromper de bord quand on se met du rouge à lèvres. C'est choquant sur une lèvre. Aussi, à un moment donné, il est arrivé quelqu'un. Il avait, qu'est-ce que vous avez là, monsieur? Eh bien, c'était une tête de phoque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le monsieur dit, ben écoutez, moi, je suis professeur de biologie et je voulais ramener, j'ai trouvé un phoque mort, j'ai coupé la tête puis je voulais le ramener. Pour, dans un but éducatif, pour le montrer. Mais on ne peut pas passer une tête de phoque. Hein? Non. Ah. Ouais. On a saisi des barres de chocolat, et beaucoup de barres de chocolat, qui en fait contenaient 400 000 $ d'héroïne. Non, j'avoue. J'allais dire. C'est la drogue, hein, Geek Squash. Cherry Blossom. Quelque chose aussi de particulier, une saisie où on a saisi 200 livres de chenilles séchées que monsieur ramenait, parce que c'est peut-être pour grignoter à la place de des chips, il se ramenait des chenilles séchées. On n'a pas le droit de ramener de chenilles séchées, malheureusement. Surtout 200 livres. Ouais. 200 livres, hein? Mm. Oui, il faut attention, en parlant de bibites, il faut faire attention de ramener des bibites. On a un monsieur qui avait ramené un spécimen d'insecte qui est revenu d'Israël, qui est revenu aux États-Unis, et on a attrapé son allodapus, qui est une bibite qui aurait pu complètement détruire les réserves agricoles des États-Unis. Oh là là! Ah ouais. Oui, non, mais c'est pour ça qu'ils font beaucoup attention. Ils demandent, êtes-vous allé sur une ferme, êtes-vous, tu sais, parce que ça peut être, ça pourrait vraiment créer des désastres. C'est dévastateur. Oui, oui, oui. Quelque chose de plus drôle, quelqu'un est arrivé à un moment donné avec un espèce de chapeau en écaille de caméléon ou de crocodile. Et là, on se regardait, on se demandait qu'est-ce que c'était. Finalement,
C'était un vrai caméléon mis en forme de chapeau. Non. Et qui était sur la tête. Puis tu me disais, vous avez un chapeau bizarre. Et en regardant le chapeau, à un moment donné, le chapeau a tiré la langue. Et on réalisait que c'était un caméléon. On n'a pas le droit de ramener de caméléon. Non. Non. En Australie, quelqu'un a ramené un couple de pigeons vivants, mais cachés dans ses valises. On l'a trouvé. Et maintenant, 16 ans de prison pour avoir fait ça. On n'a pas le droit de ramener des pigeons vivants. Surtout pas en Australie. Des armes. On a trouvé plein d'armes. Par exemple, un classique, c'est une brosse à cheveux. Couteau. Couteau dans la brosse à cheveux. Encore là, il faut faire attention pour ne pas se couper les cheveux. Quelqu'un qui importait des chats en plastique décoratif. Puis il y en avait des boîtes et des boîtes et des boîtes et des boîtes. Et finalement, on a découvert qu'à l'intérieur de ces chats-là, il y avait pour 9 millions de dollars d'opium. À quoi sert un chat? Comme beaucoup de chats. C'est ça. Et finalement, mon préféré, c'est une madame qui arrive qui embarque dans l'avion avec son mari en chaise roulante. Et là, à un moment donné, on découvre que son mari est mort. Qui est froid, qui est rigide. Elle avait fait ça parce que ça coûtait moins cher payer les frais de transport, acheter un billet d'avion de plus que payer les frais de transport pour un cercueil. Et on a donc saisi un mort. On n'a pas le droit de ramener des personnes mortes dans l'avion. Il faut les mettre dans la soute en bagage. J'ai pas plus de détails là-dessus, mais ça reste quand même très drôle. Bien, sachez-le, importez pas vos défunts. C'est ça. C'est clair. Hey, merci beaucoup d'avoir été des nôtres encore cette semaine. Là, on vous revient la semaine prochaine pour encore plein de chroniques farfelues, intéressantes et mondaines. Là-dessus, bonne semaine. Au revoir.